Original haïtien, ça ça me fait. Le bip est hanté dans ma zone, on est en monde, c'est le TND, SPAJWC. Le cash avant mes mains dans Chrome, je suis sur mon trône, Johnny Superstar, Monsieur Sharp, flash de ta télé. Le double bonheur de mon c'est ton chèque, ton rêve, ton bec, j'espère. Je te donnerai le feu vert, à ce que tout est clair. Je lève une nouvelle arrière, comme ma scène le plus clair. Je perds mes architectes, yeah, tu me supplies de te trouver. Quand j'ai quitté le mic du show, tu l'as rendu prêt. Maintenant je fais de l'argent, tu veux mon lit, tu lis mon bouffe. À la culture, je vais des bêtes, pour qu'on ride dans le east. Y'en a plein qui love mon game, je vois que tu me donnes la police. Je suis une vedette, I was free, je n'ai pas peur pour les rires. Sur le tronc de Montréal, c'est mon dieu à péter. À la culture, je vais des bêtes, pour qu'on ride dans le east. Y'en a plein qui love mon game, je vois que tu me donnes la police. Je suis une vedette, I was free, je n'ai pas peur pour les rires. Sur le tronc de Montréal, c'est mon dieu à péter. Voit dire la cigarette c'est bon ou conduire une voiture c'est bon. C'est du lavage de cerveau. Un jour un client m'a dit, tu crois qu'on vit dans un pays libre? Tu crois que c'est ça la démocratie? Allons, tu rêves. C'est vrai, les sites web, les bulletins, les manifestes, ils nous prennent pour des fous. Croyez-moi, George Bush savait très bien ce qu'il disait en disant le nouvel ordre du monde. Ah oui, vous vous souvenez de ces mots fatidiques? Ben, vous savez que c'était un message subliminal. C'était un ex-directeur de la CIA. Il savait qu'en disant ça, eh ben, il pousserait tous ceux impliqués dans ce vaste complot à agir immédiatement. Et que ce serait suffisant pour que tout... Désolé, je suis désolé, ma sœur. Je suis sûr que vous êtes de bonne volonté, mais il est temps de se débarrasser de cette foutue plaie, de cette fantastique plaie qu'est le Vatican. Et avec cette puce, ils peuvent savoir continuellement où est l'animal. Vous l'insérez sous la peau du chien et ça devient une espèce de carte d'identité. Hein.
Pensez-y bien, pour moi, c'est un pas logique vers autre chose. Oui, bientôt, ce sera à nous et à nos enfants qu'ils les implanteront. Et avant qu'on s'en rende compte, eh ben, ils nous contrôleront complètement. Oui, bien sûr. Oh, dis donc, c'est un de ces nouveaux billets de 100 dollars? Non. Vous savez qu'ils ont changé le portrait de Benjamin Franklin, pas vrai? Il a l'air de l'enfant illégitime de Fred Mertz et de Rosie O'Donnell. Ah oui, c'en est un? Débarrassez-vous-en plus vite, madame, au plus vite. Regardez-le à la lumière, vous voyez le fil métallique. Ça sert à retracer les billets, oui. Si vous en avez d'autres, je vous changerai au plus vite, madame, sinon ils connaîtront toutes vos allées et venues. C'est une façon de nous surveiller. Puis il y a les hélicoptères noirs, on vous a sûrement parlé de ces hélicoptères, non? Ils sont partout. Ils sont munis d'un système qui les rend silencieux. On ne les entend qu'une fois qu'ils ont disparu.